Bon, d'abord, ça n'a pas commencé ici. Hein. Ça a commencé au boulevard Magalon, dans une ancienne grainetterie. Et ça s'est créé à l'initiative de Christian Poitevin, qui était adjoint au maire à l'époque, et qui a missionné, en quelque sorte, le théâtre des Bernardines et le théâtre Massalia, le mien donc, pour créer le mouvement, enfin le projet Système Friche Théâtre, qui après, une fois arrivé ici, a commencé à inviter d'abord des musiciens, puis des plasticiens, puis certains vidéastes, des photographes, des ingénieurs du son, qui a installé un restaurant, le journal tactique, la radio Grenouille. Tout ça s'est développé peu à peu pour constituer un dispositif d'accueil. Voilà. Non, demain à 3h. On a dit si tu pourrais aujourd'hui de 4 à 5, c'était bon. Mais... Enfin, surtout que la première fois, enfin, moi je suis rentrée, c'était, j'avais tout visité. Quoi. J'étais partie de derrière donc, du boulevard François Simon. Puis c'était toute la traversée de la Friche, plus on passait par-dessus la rue Jobin. Et on avait visité aussi toute l'autre partie là, qui est en train d'être retapée et qui va être les futurs ateliers du patrimoine et les archives de Marseille. Donc ça donne une impression de gigantisme absolument. C'est impressionnant. Quoi. Et en plus, il y avait l'odeur, cette odeur du tabac, d'autres tabacs qui imprégnait vraiment tous les lieux. Non, c'était très fort. Et donc, c'est un lieu qui est chargé d'âme de plein de choses. Donc c'est sûr que c'est un atout supplémentaire qui donne envie d'être dans un lieu. Oui, c'était. Quelle galère, quoi. C'est pas quelle galère parce que c'est magnifique, c'est par quelle boule prendre. Parce que c'est immense, parce qu'il y a des échos pas possibles, parce qu'il y a des colonnes partout, parce qu'il fallait savoir l'appréhender. Alors la façon de l'appréhender, ça a été de le considérer comme une sorte de luna-park d'artiste. Quoi. C'est un jour, on installe un spectacle et après, c'est une expo, enfin. Et moi, j'aime bien que les lieux ne soient pas préfabriqués au projet, mais que les projets les habitent. Une radio qui a connu des temps incertains, qui a eu un très fort impact au début des années 80 justement, en inventant un certain nombre de formes de la radio de libre expression et de la libre parole, avec des émissions consacrées à des communautés marginales ou à des gens qui n'avaient justement pas ce droit à la parole. On l'a recentré sur son principal projet, c'est-à-dire sa dimension artistique, en essayant d'inventer une radio culturelle à Marseille, qui pourrait parler de l'ensemble des arts et des spectacles de cette ville, qui en plus était en pleine explosion, ce qui a en cela bien sûr beaucoup aidé à la formalisation de la grille d'antenne que l'on a aujourd'hui et qui depuis s'est beaucoup enrichie. L'enjeu qu'on avait posé à l'époque, et qui maintenant tend à devenir vrai, quoi, c'est l'idée que la culture peut être une alternative économique et qu'elle pourrait générer un lieu, donner une deuxième vie à un lieu, surtout s'il n'a pas été conçu, en termes d'architecture, pour la culture. C'est vrai, quand on voit arriver des messieurs qui prennent des mesures, on s'inquiète. Bon, on sait que la Belle de Mai, enfin le site va être amputé sur une partie dans laquelle on est installé. Ce qui va tout transformer, parce que, en fait, la Friche, elle fonctionne bien parce qu'elle a une centralité, cette espèce de place qui est derrière moi, avec le bar à côté, avec les accès, et que cette centralité va être coupée, va être amputée, il faudra la recréer. Et la recréer, c'est trouver une autre centralité, c'est trouver une autre disposition. Dans l'hypothèse, qui est de plus en plus réaliste, où on resterait sur la Belle de Mai.